Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors les amis, on est dimanche matin et c'est vraiment très rare que je fais pas de vélo. Hein. Il fait un temps exécrable. Il fait à peu près 4 à 5 degrés. On est il est 9h30, 10h moins le quart du matin. Ouais, bah, je vous dis, ça n'arrête pas de pleuvoir, ça pleut toute la nuit. Et le jardin est détrempé, il y a pas mal de très grosses flaques déjà. Hein. Voilà, puis température très faible, bon, c'est un temps vraiment en vélo à avoir quelques problèmes de santé. Hein. Alors les amis, j'ai décidé quand même, en étant bien couvert, de travailler dans la serre. Alors vous voyez, il y a un petit peu de vent, et ça n'arrête pas de pleuvoir. Ça pleut pas fort, mais vraiment. Alors, j'ai décidé les amis, et bah de bosser quand même. Voilà, pas de vélo aujourd'hui, mais on bosse ce dimanche matin. Alors vous voyez, donc on est dans l'opération nettoyage. Alors regardez, regardez les belles racines de tomates. Alors c'est toujours des racines, la tomate c'est toujours des racines quasiment de surface. Hein. On est vraiment à 10 cm. Du sol. Donc votre terre, la meilleure des terres, c'est toujours celle qui est juste au bord, hein. C'est-à-dire dans les 10 premiers centimètres. Alors vous voyez, j'arrache tout et je vais tout mettre à composter, mais ça sera un compost que j'utiliserai pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. Donc je fais un grand mont là par derrière la serre avec tous les branchages des topinambours et on aura un super compost de ces branchages de tomates. Vous voyez, voilà, même les feuillets d'Inde. Par contre, vous voyez les amis, par contre, quand vous avez des tomates, quand vous avez des belles tomates comme ça, comme ceci là, voilà, je vais les laisser, qui sait, ça me fera peut-être en mai-juin des petits départs de pieds de tomates, et je vais les reconnaître à la grosseur des feuilles. Vous voyez, j'arrive à reconnaître si c'est tomate cerise ou grosse tomate, je sais. Alors je connais mes variétés et donc forcément en voyant la feuille je vais voir si c'est un pied de grosse tomate. Voilà, donc n'oubliez pas les amis que je récupère les tomates qui ne sont pas trop atteintes. Et on a des sacrés coups de vent hein, les amis. On a des sacrés coups de vent. Je vais vous faire voir un petit peu le jardin. Il est dans la flotte les amis. Allez. Et après je continue mon boulot. Donc vous voyez ici, bah, on démonte tout. Alors tout ça, les tomates là. Un peu pourrite, je vais les laisser ici comme si. Regardez, on a quand même des belles. Hein. Oh, on a un temps exécrable, les amis. Alors, je vais vous faire voir ça. Regardez, tout ça, ça va aller dans le compost, tout ce qui est verdâtre. Et regardez le jardin. Regardez le jardin. Voilà, détrempé. Hein. Regardez là où je fais le compost. Enfin, le petit compost pour étaler. Regardez, tout est détrempé. Hein. Voilà, il y a de ces... c'est les oies qui sont contents. Hein. Voilà, je vais pas trop traîner, les amis, parce que... Ah, les oies, ils adorent. Regardez l'oie là-bas, elle essaye de se nettoyer. Hein. Bon, bah ça, c'est pas grave, hein, les amis. Hein. C'est pas grave du tout. Hein. L'essentiel, les amis, c'est que... Même si c'est détrempé, le jardin, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave du tout. Hein, mais ce qui est grave, c'est que j'espère que les gens vont pas être inondés, quoi. Hein, parce qu'il faudrait pas que ça dure. Ça a déjà duré toute la nuit. On commence à avoir pas mal de nappes verrières devant la maison. Là, il y a quelques champs qui sont déjà bien. Des belles petites nappes, pas d'eau, quoi. Hein. Donc ici, on est au nord de Béthune. Il ne faudrait pas que ça pleuve pendant encore une journée complète comme ça, parce qu'on aura des petits soucis. Allez, je vous laisse, moi, il est dimanche. Vous voyez, pas de vélo.
Mais on va quand même bien bosser dans la serre. Ça avancera pour le mois de décembre. Et n'oubliez pas, je vais débâcher et on mettra le fumier à l'intérieur. Fumier de vache. Voilà. Et quand on va repiquer nos tomates, ça sera à nouveau avec du fumier de cheval. Allez, à bientôt. Allez, bye bye les amis. Vous voyez comment il fait noir? Il fait noir. Allez, il y aura un petit peu de vent, mais c'est pas grave. Regardez comment c'est noir. Je sais pas si vous vous rendez compte, non, c'est peut-être dur pour vous de se rendre compte, mais bah, ça va pleuvoir encore, hein. Voilà. C'est bien détrempé, hein. Bon, allez. C'est surtout là, hein. C'est un tout petit peu plus bas. Bon, bah. Allez, je vous dis à bientôt. Bon courage à vous. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre vie. Et faites une girouette là, ouais, quand il fait mauvais. Regardez, ça c'est super. Avec un roulement de vélo. Regardez, on est quasiment plein nord les amis. Allez, bye bye. Voilà, il veut pas se couper. Il veut pas se couper. Bon, allez. Je vous dis à bientôt, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Allez, bye bye. Il veut pas se couper.